Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Pourquoi on parle d'elle? Eh bien, parce qu'elle manque aux médias. Où est Meghan Markle? Où est Meghan Markle? C'est ce qu'on lit dans les médias anglais. Tout le monde se demande où est passée Meghan Markle. Ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas vue. Et apparemment, ça dérange les gens. On se demande ce qu'elle est en train de faire. Les gens émettent des hypothèses qu'elle serait enceinte, qu'elle essaie de se cacher parce qu'elle a pris du poids, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Ben, il ne leur vient pas à l'idée que peut-être qu'elle travaillerait sur des différents projets pour lesquels elle a signé, par exemple avec Netflix, sur le petit dessin animé qui va présenter une jeune fille qui va parler des événements historiques ayant attrait aux femmes et à l'avancée des femmes. Ça n'aurait pas venu à la tête qu'elle pouvait travailler peut-être avec son organisation de charité ou qu'elle est en train de travailler sur un projet quelconque et qu'elle n'a pas besoin de sortir tout le temps. Il faut rappeler en fait que la situation n'a pas vraiment beaucoup changé au niveau du Covid, on porte toujours des masques, il faut toujours faire attention, donc elle ne veut pas exposer ses enfants. Il faut rappeler que ses enfants qui ont 2 ans et demi pour le petit Archie et 9 mois pour la petite Lilibet, donc je ne la vois pas aller se promener si elle n'a pas vraiment de bonnes raisons de le faire. Moi personnellement je ne le fais pas, je fais attention quand je sors, notamment pour les personnes avec lesquelles je vis, je comprends très bien que Meghan ne veut pas sortir. Et pourquoi est-ce que les journalistes demandent ça? Pourquoi ils demandent autant Meghan? Bien parce qu'ils ne savent rien du couple, donc ils ne savent pas ce qui se passe dans leur vie et ça les ronge. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo dessus sur le prince Harry qui se trouve au Texas et j'avais expliqué que les journaux étaient obsédés par la raison de sa présence là-bas et je disais que ça les ranger de ne rien savoir. Eh bien, c'est le même cas ici pour la princesse Meghan Markle. Lui, c'est ma princesse à moi, qui est bien discrète, comme elle a toujours été. Et ce qui est bien au Texas, c'est qu'il n'y a pas des gens pour cafeter, pour fuiter des informations et les rendre mensongères, les télé-retourner. Et voilà. Donc, oui, Meghan Markle fait ce qu'elle veut. Elle est chez elle, avec ses enfants, auprès de sa famille. Elle s'occupe d'eux. Elle s'occupe de ses projets. Et le fait qu'il n'y ait rien qui sorte, ben, prouve que, ben, quand elle était dans la famille royale, il y avait des fuites qui sortaient. Ça ne venait pas des Sussex, mais des gens qui les entouraient. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.